motivation. Bonjour, missionnaire de la culture. Pour moi, participer à l'AFDI, c'est réellement le prolongement de mon métier. Je sais que les techniques véhiculées par le CIRAD au Brésil, à Madagascar et dans d'autres pays nous reviennent chez nous et nous essayons de les mettre en place. Et c'est ainsi tout naturellement que nous échangeons avec nos partenaires du Mali. Ces pratiques, dont la finalité est d'améliorer le niveau de vie des agriculteurs, vont permettre d'économiser de l'énergie, des intrants et d'améliorer considérablement la vie du sol. Et je suis convaincu qu'en créant des groupes avec des agriculteurs, des représentants de la recherche comme l'IER, des animateurs, l'AOPP a joué ce rôle, nous pouvons en fait écrire l'agriculture de demain. Bon voilà, après il y a cet aspect, on va voir un peu après, des échanges donc dans le pays, Mali et Maroc, chaque action est ciblée. Nos terres sont en train de s'appauvrir. Bon, on est en train de chercher les remèdes à cela. Et nous avons dit avec l'Abdi Touraine, on a pensé qu'il faut restaurer et conserver. Et une des méthodes de restauration et de conservation, c'est le STV. Bon, ce STV-là, comment il faut l'adapter chez nous ? Du tout le même aspect, hein. Mais ça bien, bien protégé. Du sorgho. 2007, le sorgho. 2007. Il y avait du sorgho. Et la paille, ça ah, alors, ça c'est... Non mais le problème c'est gars. Ça fait des amas de racines. C'est sec quand même. Hein. Oui mais t'as vu le paquet de racines. La rosée revient quoi. Là on les protège. Ouais. Et donc, bon, puisque les vers de terre... ont un rôle à jouer dans la structure du sol. La structuration du bien entendu. Donc, ça veut dire que si on laboure, on les détruit. Mais pour lire la racine, c'est qu'il faut tout. Voilà, c'est vraiment important. C'est ça la finalité aujourd'hui. Parce que nous, nous sommes nous. Et qui entend parler des vieux mandats, c'est plans de couverture. Donc, au niveau des pédales, on associe les plans de couverture à ce niveau. Donc quand on est sur le plan de couverture, on est sûr quand même qu'on peut arriver à augmenter la demande. Du Brésil à Madagascar, la production avec semis sous couvert permanent progresse sur tous les continents grâce à l'expérience acquise et transmise par des agronomes de terrain parmi lesquels Lucien Segui du CIRAD. C'est les Camerounais aussi qui nous ont fait ça. Quand on a reçu les semences du Cameroun, on a fait la répartition entre Kuchala et Sikasso. Donc nous, on a décidé de mettre toutes les semences ensemble dans des parcelles différentes. Donc la récolte serait les hommes et les femmes, parce qu'on a envoyé les femmes faire la formation à Kuchala. La formation a été dispensée par Paul Koumaré, donc il y a des femmes ici qui ont l'expérience des récoltes de stylo synthèse. Et les hommes aussi ont l'expérience parce qu'ils ont reçu la formation à Bougouni. Ça permet de récupérer quand même le sol, surtout celle-là. Là. Je l'ai très bien apprécié. Ça, c'est Crotalaria gentia. Ça, c'est l'élysine. Corocana. Corocana. C'est la graminée qui joue le rôle de légumineuse. Voilà. Cesbania. Cesbania SP. Celle-là. 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 Quand il a fait. Quand il a plu. Oui, oui. Voilà. Et le crotalaire, tu l'as mis ? Voilà, Bracaria. Ça, c'est la zone de Bracaria et du crotalaire.
fort, voilà. Voilà. Mais parce que au disque il y a manandé. La terre est pas. Dani que il est engrais fanada, il est carrière, il est engrais fanada, il faut le vraiment bon affaire. C'est en 2010 que on a labouré à partir de cette année là, on n'a pas labouré les champs là, donc on sème et sans labourer. C'est le coton qui est semé ici cette année, avec le mil de l'autre côté. Les animateurs devaient entretenir donc une parcelle vitrine sur laquelle l'IER intervenait avec les essayeurs. Ils sont venus regarder les parcelles de Jean-Claude. Immédiatement la seconde année et ils ont commencé, sans même attendre de faire le semis des plans de couverture. Mais ils ont conservé les résidus qui étaient déjà dans les parcelles. Donc ils sont venus voir, ils ont conservé les résidus et ils ont semé. Et ils se sont rendus compte que partout où on parvenait à conserver les résidus, la germination était meilleure et l'humidité se conservait mieux dans le sol. Et aujourd'hui, vraiment, ils sont très contents de voir si il y a les possibilités. C'est eux qui ont participé à la formation d'être une petite coopérative ou bien une association pour regrouper, informer d'autres femmes, impliquer d'autres femmes là-dedans pour qu'ils puissent former des groupes, chercher même des parcelles auprès des chefs de village pour produire les silos suffisamment de qualité. Vraiment, ils sont très très contents de la manière qu'on a impliqué les femmes dans ce programme-là. Pendant ces trois années, notre approche a été d'aller par petits pas. Tout changement demande quand même beaucoup de patience. Moi, je crois qu'il est très important de chercher une suite à ce projet. Dans tous les cas, c'est la mise au point du semoir qui, moi, me semble prioritaire. Et sa multiplication. Avdi Touraine, l'AOPP de Sikasso, FERT et l'Agence française de développement a contribué au développement local et permis l'émergence de groupes dynamiques. L'essentiel de notre projet, qui avait pour support la technique et l'agronomie, a permis l'émergence de nouveaux cadres paysans. Et je crois que c'est là l'essentiel de notre mission. Les équipes Sud et Nord souhaitent poursuivre dans cette voie. Il y a des hommes, il y a de la volonté, il y a la réussite.